Welcome back to my channel. This is Divin, your favorite YouTuber. Ok, on va recommencer. Hello guys, welcome back to my channel. Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom est Divin Ilunga. Si t'es pas abonné à ma chaîne encore, tu peux le faire maintenant avant de continuer la vidéo. Je vais aborder le sujet dès maintenant. Dans le fond, j'ai décidé de faire une vidéo. Bon, vous avez vu le titre, comment gérer la solitude et le manque de motivation durant la quarantaine. Dans le fond, j'ai voulu faire cette vidéo là parce que je sais que c'est dur, guys. Je sais que c'est dur. Moi-même je le vis, tout le monde le vit, on est tous dans la même situation. Puis je pensais que j'aurais pu vous donner quelques petits trucs afin que ça soit moins difficile. Ça va être dur de faire en sorte que ça soit moins difficile parce que c'est vraiment déprimant. Mais vaut mieux ça que rien, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Let's get into the video! Donc, comment gérer la solitude premièrement? Je pense que durant la quarantaine, il y a quelque chose qui s'est propagé dans l'air puis qui a atteint tout le monde parce que, yo, people be switching up, people be acting weird, and people be acting brand new. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans l'air qui fait en sorte que... This ain't right, tu comprends? Puis comme il y a plusieurs amitiés qui se brisent, il y a plusieurs personnes qui s'éloignent de d'autres personnes. Moi-même, j'ai perdu des amis que je considérais comme proches. Et avec le temps, bon, c'est sûr que ça fait mal, mais quand tu réfléchis et tout, tu te dis, tout arrive pour une raison, ok? On dirait que la quarantaine, ça nous a mis dans un contexte, dans une situation dans laquelle on n'avait pas le choix de comme refléter sur nous-mêmes, puis refléter sur notre vie. Donc, je pense que ça nous force à faire le ménage dans notre vie. Et des fois, quand tu dois faire le ménage dans ta vie, tu dois faire le ménage de certaines personnes, ok? Si une personne sort de ta vie, c'est parce que cette personne-là wasn't meant to be in your life. Cette personne-là ne t'apportait pas nécessairement qu'est-ce que tu avais besoin qu'on t'apporte dans ta vie. Il y a aussi des personnes qui vont dans ta vie puis qui t'ont apporté des choses positives, mais que là, bon, c'est fini. La personne a fait qu'est-ce qu'elle avait à faire dans ta vie, puis maintenant, ben, elle est plus utile ou elle t'apporte plus nécessairement quelque chose de positif. Donc, les choses se font naturellement. C'est sûr que c'est dur de dealer avec une situation comme celle-là, parce que tu t'attaches à cette personne-là, tu as créé des souvenirs avec cette personne-là, comme tu pouvais considérer cette personne-là comme ta sœur, et tout d'un coup, elle est juste plus là, tu comprends? Mais faut juste que tu dises que c'est pas la fin du monde. C'est vraiment le temps de prendre du temps pour toi-même. C'est vraiment le temps de faire des choses que t'as toujours voulu faire mais que t'as jamais eu le temps parce que t'étais toujours occupée, tu sortais toujours avec tes amis ou tu procrastinais tout simplement, tu vois. Mais maintenant que t'es seule, tu peux te pousser toi-même à faire les affaires que tu voulais toujours faire, à commencer les projets que tu voulais toujours commencer. T'as pas d'excuse, t'es toute seule, t'as personne à aller voir où tu vas aller, où tu vas aller. Comme c'est même pas chien là. C'est même pas pour être méchante, c'est juste un fait. Tant qu'à être toute seule, sois toute seule, commence tes projets, puis commence à avancer plus loin dans ta vie. C'est pas la fin du monde de perdre des amis. Tu peux te faire des amis encore toute ta vie. Écoute, on est jeune, hein? Il y a plein de personnes sur cette terre. C'est pas la fin du monde, là. Tu peux aussi prendre plus de temps avec ta famille, avec tes soeurs, tes frères, tes cousins. Essaye de créer un lien plus solide. Si tu tiens absolument à avoir des amis, tu peux te faire d'autres amis aussi. Tu vois, il y a encore les réseaux sociaux. Tu peux encore socialiser avec les gens à travers Instagram, Twitter, Snapchat, Messenger. Je sais pas s'il y a encore des gens qui utilisent Messenger, mais il y a encore Messenger. Tu peux socialiser puis tu vas découvrir des personnes que tu n'aurais jamais cru pouvoir créer une amitié avec eux, mais somehow vous avez des points en commun et vous vous entendez bien, et c'est peut-être des personnes qui vont rester dans ta vie contrairement aux personnes qui sont parties. Ok, c'est pas la fin du monde, tu peux toujours créer des nouvelles amitiés, puis c'est comme ça que je te conseille de gérer ta solitude, en commençant des projets, en te rapprochant de ta famille, en socialisant sur internet. Comme deviens ta propre meilleure amie.
comme deviens ta propre amie, comme commence à traîner avec toi-même, commence à sortir toute seule, à faire des affaires que t'aurais pas fait toute seule. Comme on va dire moi par exemple, maintenant que comme oui j'ai des amis mais comme les personnes qui étaient plus proches de moi sont juste plus là, fait que genre les affaires que j'aurais faites avec eux maintenant je les fais toute seule puis ça me dérange même plus. Comme avant je me serais sentie genre bizarre de sortir toute seule. Mais à la force, pour de vrai, tu t'habitues et ça devient nice. Like, I'm a nice person. Pourquoi je voudrais pas être avec moi-même, tu comprends? Comme, hello! Non mais honnêtement, plus tu passes du temps avec toi-même, plus tu vas t'aimer pour de vrai. Puis ça va juste attirer des nouvelles personnes à venir t'approcher puis à vouloir être amie avec toi. Donc ça, c'était mon conseil pour la solitude. Maintenant, ouf, le manque de motivation, on connaît tous ça, hein? Ouais, ouais, ouais. Non, mais honnêtement, c'est dur. Parlons d'abord de l'école. L'école. Bon, je vais pas avoir une mauvaise influence ici, là, sur internet, mais je déteste tellement l'école. But don't get me wrong. Faut étudier, guys, faut aller à l'école, faut finir ses études. L'école, c'est dur. L'école, c'est vraiment dur. C'est encore plus dur pour les personnes qui travaillent aussi en même temps. Oh! C'est épuisant mentalement, physiquement, émotionnellement. Oh, tout ce que tu veux. Laisse-moi recommencer, je vais reprendre mes sens parce que je suis tellement émotive à propos de ça. L'école, ça drain, ok? Mais t'as pas le choix de deal avec ça, ok? Fait qu'il faut que tu trouves des moyens. Faut que comme, quand tu... Bon, j'allais dire quand tu vas à l'école, mais... Surtout en plus, là, c'est en cours en ligne. Des cours en ligne. Oh! Donc, le premier conseil que je vous donnerais par rapport à l'école, ok? Je me répète à moi-même, hein, chaque jour, chaque minute là que je suis devant l'écran Zoom. Oh my god, j'ai envie de raccrocher là. Quand j'ai envie de raccrocher, je me dis bon, Divine, respire. Rappelle-toi pourquoi t'étudies. Rappelle-toi pourquoi t'es rentrée dans ce programme-là. Puis là, je suis juste comme, ok, damn. Comme, qu'est-ce que je suis en train de faire live, ça va m'aider à accomplir le projet que j'ai envie de faire plus tard. Puis quand tu te rappelles pourquoi tu as commencé quelque chose, automatiquement, tu vas avoir un petit peu plus d'énergie. Puis comme dès que tu vas voir les résultats rentrer, ça va te donner encore plus d'énergie. Fait que moi, je te dirais vraiment de toujours, toujours garder en tête pourquoi tu fais quelque chose. Et... qu'est-ce que ça va t'apporter plus tard? Juste pense à ton futur et où tu veux être et ça va te donner du pouvoir, ça va te donner de l'énergie. Mais aussi la quarantaine, bon j'encourage personne à abandonner ni rien là. Je dis juste que je pense que la quarantaine c'est un bon moment tu vois, de refléter sur toi-même, ta vie et tout. Donc c'est aussi un bon moment de se questionner sur le programme dans lequel tu es, les études que tu es en train de faire, puis de te dire est-ce que c'est vraiment là-dedans que je veux être. Parce que la pire décision que tu pourrais faire, honnêtement, pour ton propre bonheur, je pense que ça serait vraiment de rentrer dans un programme qui te correspond pas, un programme qui te passionne pas. Pourquoi tu voudrais t'infliger cette douleur-là de faire quelque chose que tu détestes pour le reste de ta vie? Moi, je pense que pendant la quarantaine, tu peux refléter sur qu'est-ce que tu fais en ce moment puis te demander si t'aimes vraiment ça ou pas. Puis si t'aimes pas ça, il est pas toujours trop tard pour changer de programme. On est jeune, guys. C'est jamais trop tard pour recommencer. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre nous, dont moi, qu'on est vraiment têtus. Mais dis-toi que c'est mieux que tu recommences live dans un nouveau programme que t'aimes, qui te passionne, que tu continues puis que le reste de ta vie tu sois malheureux parce que t'as pas voulu recommencer une session genre. This is really ghetto. Un autre conseil que je vous donnerais pour rester motivé durant la quarantaine, comme je l'ai dit, la quarantaine c'est une épreuve,
une épreuve mentale extrêmement demandante que tout le monde vit. Et je pense que il faut pas s'oublier soi-même et se négliger, ok? Si tu vois que t'es à terre là, si tu vois que t'es même plus capable de te lever de ton lit, puis que genre t'es tellement mentalement fatigué, surtout avec qu'est-ce qui se passe, tu vois plein de choses qui se passent sur les réseaux, tout qu'est-ce qui se passe au Congo, au Nigeria, tout qu'est-ce qui se passe au Cameroun aussi, les camps de concentration, les dénonciations de viol, tout ça. Ça rentre aussi en compte. C'est tellement épuisant mentalement. C'est comme si on pouvait pas avoir de pause. Take your break. Take your own break. Un des conseils que je vous donnerais pour de vrai, c'est de prendre du temps pour toi-même. Prends du temps pour toi-même, puis juste fais rien. Si tu veux rien faire pendant une semaine, fais rien pendant une semaine. Et tu vas pas mourir, puis c'est pas la fin du monde, tu vas pas couler toute ta session parce que t'as pris une semaine off. Si tu peux continuer à étudier, fais-le, c'est sûr, mais si t'as même plus d'énergie pour rien faire, comment tu vas étudier? Si t'as plus d'énergie pour n'importe quoi, comme t'as besoin d'énergie, t'as besoin de te recharger pour être capable de faire d'autres choses. Faut pas se négliger. Au Canada, là, au Québec, là, la vie est tellement stressante. Mais il faut toujours penser à soi-même avant tout. Tu vas pas mourir là pour une session là. Tu vas pas tuer mon cher. Ben là, arrête. Recharge-toi, fais des choses pour toi-même. Comme récemment, j'ai découvert quelque chose que j'aimais beaucoup. Je me sens bougie, like. Ouais. Quoi? Oh my god. Tu vois ça là, c'est une chandelle, ok? Et non, faut bien, c'est vite, c'est une chandelle. C'est une chandelle, c'est ici. Non, mais. For real. Tu vois ça là? Comme. J'ai jamais allumé de chandelle dans ma chambre. Like, just like that. Là. Pourquoi je ferais ça? Comme dans ma tête, ça faisait juste pas. Comme j'ai jamais pensé à faire ça dans ce sens là. Mais. J'avais acheté la boîte découverte de cas de ma belle-sœur. Et je voulais l'essayer. Puis là, j'ai découvert que j'aimais tellement ça. Puis c'était tellement relaxant. Puis c'est comme un moment pour moi-même de juste. J'allais dire éteindre ma tête. Oh my god. Switch off. Comment on dit ça? Oh! C'est en tout cas. Donc j'ai découvert que j'aimais vraiment les chandelles. Les chandelles qui sont bons, c'est vraiment relaxant. So, qu'est-ce que moi je fais, c'est que le soir j'allume tout le temps une chandelle, puis j'écoute soit Occupation Double ou Netflix, puis je fais juste relaxer, puis penser à rien d'autre. Mon téléphone est sur silence, so y a personne qui peut me déranger, puis je fais juste enjoy my me time for real. Puis c'est quelque chose que j'ai découvert de moi-même que j'aurais pas découvert avant, tu vois, que j'aurais pas découvert si j'étais pas seule, si on n'était pas en confinement. Fait que ça, prenez du temps à vous découvrir un petit peu, qu'est-ce que vous aimez, c'est spécial. Ça a l'air de rien, mais comme, je sais pas là. Ça, donc prends du temps pour toi-même, puis juste, si tu dois prendre une semaine à dormir, prends une semaine à dormir, puis laisse personne te mettre de la pression. Laisse personne te mettre de la pression. Les parents sont bons là-dedans, mettre de la pression, ouais. Bon, mes parents sont corrects pour de vrai. Mais je sais qu'il y a des parents qui sont vraiment stressants par rapport à l'école et tout. Donc, laisse personne te stresser. Juste pense à toi-même, à qu'est-ce que tu as besoin. Et ensuite, tu pourras continuer tout qu'est-ce que tu es en train de faire, mais tu as besoin de te recharger avant. Et don't feel bad about it. Don't feel bad about it. On est beaucoup à... Tu vois, dès que comme... On fait rien, ou qu'on n'étudie pas, ou qu'on travaille pas, ou qu'on fait juste rien. On est beaucoup à penser qu'on n'est pas productif. Mais c'est productif, prendre du temps pour toi-même. C'est productif, te recharger. Parce que tu peux pas, comme je l'ai dit, tu peux pas faire quelque chose sans énergie. Tu comprends? Donc, it's very productive. Sleeping is productive. Donc, sleep well. La quarantaine, c'est vraiment une période de confusion. Tu te sens seule, c'est gris. En plus, là, l'hiver arrive. Ouh, l'hiver. Faut même pas en parler, là. L'hiver, ouais.
déteste mon hiver pour de vrai. C'est ça, tu peux sentir que comme si le monde tombe sur tes épaules, puis tout est lourd, t'as plus envie de parler à personne. C'est juste draining, tu vois. Fait que dans ces moments-là que j'ai envie de tout abandonner pour de vrai, je sais pas combien de fois pendant cette quarantaine-là j'ai dit que je voulais drop l'école. Oh my god. Quand je sens que je veux tout abandonner, je veux juste me dire que les moments difficiles que je vis présentement, ça va tellement m'apporter plein de bénédictions plus tard. Je me dis juste, Divine, si tu peux juste hold on un petit peu plus longtemps, tu vas voir que ça valait toute la peine là. Ça valait toute la peine de souffrir. Puis bon, je fais pas tant de nuits blanches là parce que je préfère mon sommeil que étudier. Mais c'est ça, tous les moments difficiles, ça va m'apporter plein de bénédictions, je le sais. Que fais juste te rappeler ça, puis encourage-toi, sois ton propre hype man. Like, yeah, cheer yourself up and everything's gonna be alright, yeah. Ensuite, j'ai un autre conseil, puis mon prochain conseil, c'est de pas être trop difficile envers toi-même. Ouh, déjà la vie est tellement demandante. C'est bien d'être demandant envers soi-même, mais il faut pas que ça devienne négatif. Quand je veux dire sois pas trop dur envers toi-même, je veux surtout parler de la comparaison. Ouh, en plus là, surtout là, présentement en quarantaine, tu vois, t'as juste les réseaux. T'es sur les réseaux, puis tu vois tout qu'est-ce que les autres posent sur leur vie, puis étant donné que les personnes vont pas poster quelque chose de négatif qui se passe vraiment dans leur vie là, bon, il y en a qui le font, mais la majorité, ils postent des affaires positives qui se passent dans leur vie. Surtout quand tu vois ça, que comme tout le monde pose des affaires positives, ça peut te faire sentir mal à propos de toi-même. Parce que si toi t'es dans une situation où t'as l'impression que tout va mal, que t'as l'impression que tu sais plus où tu t'en vas, puis que t'es confus, puis que t'es un petit peu en, pas crise identitaire, mais que t'as l'impression que tu perds un peu ton identité, tu peux avoir l'impression que tu prends du retard par rapport aux autres. Mais honnêtement, tout le monde a son propre chemin, tout le monde a sa propre vitesse, tout le monde accomplit des affaires à des moments différents de leur vie, tu vois. C'est pas parce que quelqu'un a ça aujourd'hui que tu pourras pas l'avoir dans 2 semaines, tu comprends? Bon, c'est une façon de parler là, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Le parcours de tout le monde est différent. Tu peux pas comparer ton parcours avec celui de quelqu'un d'autre. Vous vivez pas les mêmes affaires, vous avez pas nécessairement les mêmes chances, vous avez pas nécessairement le même background. Peut-être que toi, pendant le Covid, t'as pris une session off, puis là tu te sens mal parce que tout le monde continue ses études, puis t'as l'impression que tu vas être une session en arrière derrière tout le monde. Mais écoute, tout le monde s'en fout. Comme, you do you, they will do them. C'est vraiment ça. Chacun s'occupe de sa propre personne. Faut pas que tu te compares aux autres. Ça va t'apporter rien de bon. Écoute, ta vie c'est ta vie, la vie des autres c'est la vie des autres. Mais c'est ça, comme, si toi on va dire avoir pris ta session off, c'est ça qui te rend sain, puis qui te permet de keep going. Comme, who's gonna make you feel bad about it? Comme, qui va te faire sentir mal à propos de ça? Comme, si tu fais qu'est-ce qui te rend sain, tu fais qu'est-ce qui t'apporte de la paix intérieure. There's nothing wrong with that. Quand je veux dire de pas être trop dur envers toi-même, je veux aussi dire de connaître tes propres limites. Connaître tes propres limites et te respecter assez pour respecter ces limites-là, tu comprends? Pourquoi tu vas faire quelque chose que t'as pas la capacité de faire en ce moment? Tu comprends? Si t'as pas la force de faire certaines choses, c'est correct de s'arrêter et de prendre une pause. C'est correct de reprendre son souffle. C'est correct de se recharger. C'est correct. C'est correct. Si tu dois prendre des pauses des réseaux sociaux, fais-le. Si tu dois prendre des pauses de certaines personnes, fais-le. Si tu dois quitter ta job, fais-le. Si tu dois prendre 2 semaines de vacances pour ta job, fais-le. Do whatever makes you feel right.
honnêtement, c'est aussi simple que ça. Je sais pas pourquoi on met autant de pression sur nous-mêmes. Tu vas pas mettre autant de pression sur quelqu'un d'autre, toi-même. So, pourquoi tu allais en mettre sur toi-même? Pourquoi tu veux en mettre sur toi-même, tu comprends? Tu dois te traiter avec patience. Tu dois te traiter avec gentillesse, avec douceur. Donc, c'était tout pour les conseils que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là, puis que vous avez pu relate et que les conseils que je vous ai donnés vont vous être utiles. Honnêtement, j'adore quand vous venez me texte là, puis que vous êtes comme genre, oh Tivine, j'ai écouté ta vidéo, puis ça m'a vraiment aidé. Comme pour de vrai, ça me fait chaud au cœur. Merci encore pour les personnes qui m'ont texté. J'apprécie beaucoup. Oubliez pas, si vous aimez la vidéo, oubliez pas de partager avec les gens autour de vous pour qu'eux aussi puissent en profiter, puis que mes abonnés montent un petit peu là, guys. Ça serait bien là. Je sais qu'il y en a encore qui regardent mes vidéos puis qui sont pas abonnés à ma chaîne. Donc je te fais des beaux yeux doux là, s'il te plaît. Comme abonne-toi à ma chaîne, t'es déjà là, tu regardes la vidéo, t'es rendu à la fin. Je sais que t'aimes ma chaîne, so just click on the button, subscribe puis active la cloche de notification, comme ça tu ne manques aucune de mes vidéos. Donc c'était vraiment tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de comment, like, subscribe, share. And I'll see you in the next video. Thank you, bye.